Bonjour, je fais cette vidéo pour vous présenter un indicateur qui trace pour vous le niveau d'ouverture des futurs, donc le niveau d'ouverture à 8 heures du matin. Cet indicateur est déjà installé sur ma plateforme dans indicateur. Vous voyez que cet indicateur s'appelle Daily Open Line. Mais on va voir ensemble comment est-ce que vous pouvez vous l'installer sur votre plateforme. Dans un premier temps, il faut se rendre sur le site d'Interactive Trading. Dans la partie IVT Live, de la section Config Plateforme. C'est ici que sont regroupés l'ensemble des indicateurs proposés par IVT, très majoritairement développés par Noam. Donc un gros merci à lui pour son travail phénoménal de travail. Alors, nous allons prendre comme exemple un indicateur pour la plateforme TS2, mais ça va se dérouler pareil pour un fichier pour MT4. Donc, pour récupérer l'indicateur, vous cliquez sur son nom en bleu. Donc là, je clique, une fenêtre s'ouvre, donc j'enregistre. Hop, ok, voilà. Si vous n'avez touché à rien au niveau de la configuration de votre navigateur internet, ce fichier, vous allez le retrouver dans le répertoire téléchargement de votre disque dur. Voilà. Donc, vous avez téléchargé une archive zip, donc un fichier compressé. Pour pouvoir s'en servir, il faut le décompresser. Donc pour ce faire, je fais un clic droit dessus et dans le menu qui apparaît, j'ai extraire ici. Donc j'extrais ici et apparaît un autre fichier qui portera dans notre cas l'extension EX4, hein, et non pas LUA dans l'exemple que je donne là, vraiment à titre d'exemple. Donc il faut ensuite mettre ce fichier au bon endroit. Donc pour ce faire, je retourne sur ma plateforme MT4 et je vais donc dans ma plateforme et je vais dans Fichier. Dans Fichier, il y a Ouvrir le fichier des données. Donc je clique là-dessus. S'ouvre une fenêtre contenant l'ensemble des fichiers nécessaires au bon fonctionnement de votre plateforme MT4. Donc les indicateurs sont restitués dans le répertoire MQL4, voilà donc ici, et dans le répertoire indicator. Alors ensuite, je retourne dans le fichier dans le répertoire téléchargement, récupérer mon fichier décompressé. J'ai bien dit décompressé, donc je fais un copier et dans la fenêtre contenant tous les indicateurs. Je fais un clic droit et enfin un coller. Cela fait en sorte que le fichier se retrouve au bon répertoire pour que la plateforme MT4 puisse travailler avec. Il faut ensuite retourner dans la plateforme MT4 et pour que l'indicateur apparaisse avec tous les autres indicateurs, il faut faire un clic droit sur indicateur, puis dans le petit menu, vous faites rafraîchir. Et une fois cela fait, l'indicateur apparaît dans la liste de tous les indicateurs. Pour s'en servir, il faut l'attraper. Donc je fais un clic gauche, je reste appuyé sur ma souris et je le glisse sur le chart sur lequel je veux qu'il apparaisse. Et je lâche le bouton. Une fenêtre apparaît et la fenêtre qui nous permet de configurer l'indicateur. Donc il y a un certain nombre d'onglets, à propos, général, paramètres d'entrée, couleur et visualisation. Alors, on va s'intéresser à l'onglet paramètres d'entrée, qui est en fait l'endroit où nous allons mettre
la valeur en heures de votre plateforme à partir de laquelle l'indicateur va commencer à tracer. Donc en laissant la valeur 0, en fait, il va commencer à tracer à minuit. Puis, je clique OK. Et vu qu'à minuit, le DAX ne cote pas, l'indicateur commence à tracer en pointillé à partir de l'ouverture des futurs, donc à 8 heures, pour l'actif concerné, donc le DAX, dans ce cas-là. Si vous voulez changer quoi que ce soit, vous pouvez double-cliquer sur la ligne et vous retombez sur la fenêtre de configuration. Moi, ce que j'aime faire, c'est, à titre personnel, c'est garder le blanc, mais mettre une ligne un petit peu plus large pour mieux le voir. Et je clique OK. Et j'ai donc maintenant un trait qui a été tracé sur chacune des ouvertures futures de l'actif, donc là du DAX. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que vous m'avez, ça a été assez clair. Et n'hésitez pas à envoyer un mail si vous avez le moindre problème ou la moindre question au sujet de cet indicateur. Merci de votre attention.